Salut à toi, c'est Kylinda. Prendre le step, j'espère que tu as la patate aujourd'hui. Qui sont mes mentors en step? Alors, j'ai quelques mentors en step avec lesquels vraiment j'ai progressé. Quand j'étais au début, j'étais nul en step et je devais progresser rapidement. Donc, je t'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos, il y a plusieurs moyens de progresser en step rapidement. Il y a vraiment des. C'est du hacking en fait de step. Alors, la première méthode, c'est vraiment d'aller très très vite sur des steps très avancés. Même si tu galères au début, tu t'arrêtes très souvent et vraiment c'est frustrant, ça te blase. Mais si vraiment tu veux progresser rapidement, la meilleure façon, c'est de faire direct des steps avancés. Voilà, direct. Tu fais deux steps inter, on va dire, et direct des steps avancés et tu galères, tu galères, tu galères jusqu'à qu'à un moment donné, tu as un bloc, tu as une séquence, tu arrives à faire quelques pas. Et petit à petit, finalement, tu arrives de plus en plus à faire les chorégraphies des mecs qui font quoi. Donc voilà, et puis faire des conventions, bien sûr. Alors je sais que depuis 2 ans, il n'y a pas trop de conventions à cause du Covid, etc. Mais là, je pense que ça va revenir petit à petit. Et moi, vraiment, j'ai progressé grâce aux conventions. Et d'ailleurs, là, en ce moment, je promotionne beaucoup LeaderFit, etc. Tu as vu sur mes steps, voilà, on a un petit contrat entre LeaderFit et moi, c'est sympathique. Je promotionne un peu leurs produits, surtout le step finalement, et eux finalement ils m'offrent des choses. Et c'est une bonne marque. Et en plus de ça, ils faisaient des événements à l'époque. Je sais plus si, je crois pas qu'ils en font encore, mais ils font de la formation. Et les événements LeaderFit m'ont énormément fait progresser à l'époque. Et d'ailleurs, les premiers qui m'ont fait progresser, c'est Morgane Moreau et Rémi Hulleux, qui sont maintenant chez Motion System. Alors je sais pas s'ils font toujours. Je ne les ai pas suivis depuis des années. Mais voilà, donc on va mettre une petite vidéo d'eux. Et puis voilà quoi. C'est parti pour la première vidéo avec Morgane Moreau, c'était à Paris. Et c'est parti pour une choré. Évidemment, c'est des chorés super avancées. Hop là, petit contretemps. Hop là, hop. Kickball change, enchaîné, talon fest, petit twist. Hop. J'adore ce pas de genou, jazz square, traverse. J'adore le style de Morgane Moreau, c'est vraiment un style que j'affectionne particulièrement. Il n'y a pas beaucoup de pas que je copie, ou le talon fesse tourné comme ça, j'adore. Le petit slide aussi. Contre-temps, j'adore ça, ce pas aussi. C'est le pas de bourré d'ailleurs. Chassier, twist, tourne. Ouh, il est dangereux ce pas, mais il est stylé. Beaucoup de kickball change, de contre-temps. Petit twist sur le step, histoire de. Beaucoup de variations de pas à droite, à gauche, sur le step. Il arrive à vraiment varier dans ses chorégraphies. J'ai pas bien analysé cette choré, c'est la première fois que je la vois là. Je sais pas, des fois il y a des blocs asymétriques, des fois non. En général, il fait une première partie symétrique. Après, il met un bloc asymétrique dans la choré. Et puis, on revient sur deux séquences symétriques. Ouais, c'est bien. Franchement. Moi j'adore, avant, je sais pas s'il fait toujours du step, je côtoie pas, je l'ai croisé quelques fois, mais en tout cas, voilà, ça c'est un de mes mentors. Il y a eu aussi Rémi Hulleux, donc tu pourras aller voir ses vidéos. C'est vraiment le groupe Motion System, je sais pas s'il existe encore Motion System, t'iras voir. Je te fais une petite pub pour eux. J'ai pas du tout de contact avec eux, mais en tout cas, vraiment, ils sont plus calés que moi en step. Beaucoup plus dansés, beaucoup plus, tu vois, ils sont à l'aise avec leur corps. Beaucoup plus que moi, je suis un peu plus robot, plus lourd, plus pâteau, tu vois. Eux, c'est vraiment, c'est à l'aise, c'est fluide, on dirait qu'ils volent sur le step, quoi. Et il y avait aussi Jessica Mellet, Alexandre Mallier, ils sont connus beaucoup sur Amazon pour leurs cours des DVD, je sais plus comment ils s'appellent, tire à voir aussi. Et eux, au tout début 2010-2011, je les suivais pour m'entraîner pour le Krebs. D'ailleurs, c'était. Après les tests de sélection, puisque pour les tests de sélection, je n'en ai pas fait. Mais très bon aussi, on va mettre une vidéo 2. Donc Alexandre à droite, il n'a pas changé de tête. D'ailleurs, ils ont une chaîne YouTube, Move Your Feet, un truc comme ça, Move Feet ou un truc comme ça, ils sont dessus. Ils font des cours de renfo, pilates, etc. Beau style aussi. Avec la tenue de l'époque là d'Alexandre. Jessica Mellet aussi qui. Alors je crois qu'ils ont fait une émission, c'était Incroyable Talent, un truc comme ça. Mais bon, du step à Incroyable Talent, c'est pas terrible. Mais enfin moi je trouve ça terrible, mais le public n'a pas trouvé ça terrible.
Voilà, très belle choré aussi. Bambo back, ça va au sol, ça va sur le step. Ah, choré un peu moins longue que tout à l'heure. Et voilà. En tout cas, voilà, mes mentors, c'est un petit peu ces quatre gars-là. Bon, il y en avait d'autres chez LeaderFit, il y avait plein de mecs. Je pense à Laetitia Vital aussi, qui est très connue aussi dans la région toulousaine. Donc voilà, mes mentors, c'est un peu tout ça. C'est vraiment en faisant des conventions, j'ai appris un petit peu à les recopier. J'ai essayé de vous regarder leurs vidéos, d'analyser comment ils faisaient, comment ils amenaient les chorégraphies aussi, puisque moi, en tant que coach, j'ai dû analyser aussi la méthode vraiment Krebs, la méthode vraiment prof, comment faire. D'ailleurs, celle que j'enseigne dans Stepmaster Coach. D'ailleurs, si t'es pas abonné à Stepmaster, tu peux y aller tout de suite. Et voilà, eux, ils ont une manière de faire qui est beaucoup plus naturelle, ils ont l'habitude. C'est peut-être, des fois, c'est un peu trop rapide, mais c'est normal, ils ont que pas beaucoup de temps sur scène, par exemple, pour faire des chorégraphies. Et des chorégraphies qui sont super difficiles à amener, parfois. Donc, ouais, chapeau, franchement. Ils m'ont bien donné envie de faire du step. Et d'ailleurs, je parle que de step, mais on sait aussi tout ce qui est aerodance, ILO, EDIA. Des cours comme ça dans la convention, tu sais, il y a step, ILO, step, ILO. J'adorais faire un petit peu tout ça. J'adorais, et tout ce qui était renfo, lesmil, tout ça, je faisais pas parce que ça me gave. J'en ai trop bouffé et c'est pas intéressant pour moi. Moi, j'adorais ça, je sais pas pourquoi. C'est une question d'envie, c'est une question de goût, en fait. Il y a de tout à manger. Donc voilà pour cette vidéo, un petit peu partage. Je fais beaucoup de partage en ce moment, t'as vu, dans mes mails, sur mon blog Apprendre le Step, que je mets à jour d'ailleurs en ce moment. D'ailleurs, sur tout ce qui est la partie coach, j'ai raconté 5 histoires de mon début de coach sportif. Tout ce qui est Krebs, les avant tests de sélection, après tes sélections. T'iras voir mon blog apprendrelestep.fr. Super blog, super site, tu verras, voilà, digne d'un professionnel, laisse tomber, avec des graphismes de malade 3D et tout. Non, je rigole. Mais tire à voir ça, et puis bah voilà, pour cette vidéo, qui sont tes mentors, toi, en step? Je sais, c'est moi. Je sais, c'est moi, ton mentor. Je sais. Il ne va pas me mentir, c'est comme ça. Je le sais. Non, dis-moi dans les commentaires qui c'est. Et puis voilà, télécharge aussi 3 steps gratos. Débutant, intermédiaire, avancé, et puis voilà, et puis tire à voir tout ça, Motion System. Voilà, je leur fais une petite pub gratuite, mais franchement, ils le méritent parce que c'est du boulot quand même. Et ils sont très bons. Ils sont très bons dans ce qu'ils faisaient. Je sais pas s'ils en font encore. Donc, tiens, au revoir pour cette vidéo. Voilà, merci. Kiffe le step, kiffe apprendre le step. Et à très vite sur d'autres steps. Guides me, where to sign, and I'll be